Depuis le jeudi 11 février 2021, le comité de normalisation de la FIF a mis fin aux fonctions du directeur exécutif de la FIF, Sammy Tiassé. La raison première évoquée était le non-renouvellement de son contrat arrivé à expiration. Le vendredi 12 février 2021, au cours d'une conférence de presse, Mariam Daougabala est revenue sur le cas Sammy Tiassé. Pour ce qui concerne le DEX, je voudrais vous confirmer que le DEX a été déchargé de ses fonctions. Dans toute chose, il faut savoir préserver la dignité des êtres humains. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas à une chasse aux sorcières. Donc, dans tout ce que nous allons faire, nous allons essayer de préserver la dignité humaine. Parce que d'abord, nous sommes des humains et nous sommes des juristes. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Selon Mariam Daougabala, l'ancien patron de l'administration de la FIF et le comité de normalisation ne partagent plus la même vision. Nommé en 2016, Sammy Tiassé a été pendant plus de 5 ans le chef de l'administration de la Fédération ivoirienne de football.